Coucou guys, j'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui guys, je vais vous expliquer comment j'ai fait un putain de ravalement de façade. Quel beau sourire, oui je sais. Bon, je sais que certains d'entre vous qui ne me connaissent pas se disent oh my god, encore une connasse qui a refait ses dents en Turquie, mais quelle bouffonne. Non, c'est pas ce qui s'est passé, d'accord? Donc tu te détends, d'accord? C'est une vidéo de prévention, ok? Toutes les assistantes dentaires en sueur. Pardon. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent, l'année dernière j'avais fait une vidéo qui disait j'ai failli perdre toutes mes dents parce que j'avais songé back in the days à faire des facettes, genre à limer l'intégralité de ma dent et à poser des facettes. Un gros délire, j'ai failli perdre toutes mes dents comme une grosse bolosse. Dieu merci, je suis en couple avec une personne qui est censée, qui m'a humiliée pendant une semaine pour que l'idée de limer mes dents me sorte de la tête. Écoutez, parfois il faut ce qu'il faut, il avait raison au fond. Quelle idée, genre stop ma belle, d'accord? Tu arrêtes. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait de l'orthodontie pendant 4 ans. J'avais un appareil dentaire, j'avais des dents, elles étaient dans un champ. Tapeur, petit monstre des prés, mais Dieu merci, j'ai eu un appareil dentaire et j'en suis ressortie avec un sourire, ma foi, relativement tolérable. Écoutez, sourire qui était sur mon visage lors de moments de joie. Quel beau sourire! L'essentiel, c'est de pouvoir sourire et d'être heureux. Voilà l'essentiel. Il se trouve qu'au fil des années, mes dents ont commencé à bouger de plus en plus, en tout cas toutes celles du haut, et à ne plus du tout être droites. Enfin, plus du tout. Il s'agirait d'arrêter d'être extrême, mais mes dents n'étaient plus droites comme elles l'ont été juste après mon traitement orthodontique, quoi. Donc du coup, j'ai commencé à avoir sur le profil des dents qui se remontent petit à petit et qui commencent à chevaucher, etc. Ça a commencé à me saouler, donc j'avais considéré les options, soit de refaire de l'orthodontie ou du Invisalign, mettre une gouttière la nuit, mais bon, un peu chiant, tu vois, t'es là, t'es avec ton bien-aimé, ton partenaire, la personne que tu aimes et qui t'aime en retour, et t'es là avec une gouttière, c'est bon. Déjà, je suis pas maquillée, j'ai des patchs sous les yeux, des gants en plastique sur les mains pour pouvoir m'hydrater, ne rajoutons pas une gouttière à tout ça, tu vois, on est à nos débuts encore. Du coup, j'ai décidé, par question d'esthétisme et d'inconfort, de ne pas faire des gouttières Invisalign parce que c'est chiant, quoi, me retrouver encore 2-3 ans avec un traitement dentaire un peu flemme. Et d'un autre côté, j'avais pas non plus envie d'aller dans les extrêmes de les influenceurs qui vont faire leurs dents en Turquie et qui finissent avec plus de dents, du coup, hyper limées et beaucoup de problèmes, parce que la vérité, c'est que si tu veux refaire tes dents, ne songe pas à les limer du tout. C'est une extrême mauvaise idée. On peut pas tout vouloir et tout avoir pour cheap. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour 4 000 €, tu peux te faire limer l'intégralité des dents, c'est super. Donc non, quand t'es un petit peu sensé, tu te rends compte que en effet, tu peux pas limer tes dents. Enfin, je sais pas, ton émail, c'est hyper précieux, ça doit rester sain. Tu dois pas le limer. Tu risques beaucoup en faisant ça, d'autant que tu vas vieillir et que tes dents, elles vont encore se rapetisser. Enfin, c'est hyper contraignant quand tu es jeune. J'imagine que quand t'as 70 ans, 60 ans et que t'as plus de dents, vas-y, fais-toi un kiff, enlève-les toutes et mets des couronnes. Mais quand t'es jeune, ne lime pas tes dents. D'ailleurs, ne lime pas tes dents tout court. C'est pas une activité hyper extrascolaire géniale à recommander en soi. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je veux pas limer mes dents. Les enlever en intégralité, tu vas voir, ce sera super. Ah, écoute, on s'amuse comme on peut. Voilà, le confinement, tout ça, ça fait un peu perdre la tête. On lime nos dents. Donc, n'ayant pas pris la décision de limer mes dents, je voulais une solution alternative pour quand même aligner mon sourire sans passer par des jours et des jours et des jours et des années d'orthodontie. Whatever the fuck you want. Donc j'ai décidé de faire du composite. Ça ne s'apparente pas réellement à une facette. Une facette s'appelle une facette parce que c'est que sur le devant de la dent. Mais quand tu fais une facette, ça requiert quand même un polissage de la dent et d'altérer quand même un minimum ta dent. Alors que le composite, pas. Typiquement, là j'ai mes dents entières et neuves et normales et... sans rien du tout en dessous du composite. En gros, le composite, si tu veux, c'est comme quand tu vas faire des faux ongles. C'est une pâte qu'on te met, tu vois, on t'élimine pas l'ongle. On ponce ton ongle alors que l'émail, on le ponce pas. Donc, ponçage à part, c'est comme si on te mettait un faux ongle, on va dire. Donc, j'ai fait que celle du haut et je les ai faites de la couleur de mes dents naturelles pour pas avoir un sourire genre bleu et que ça ressemble pas à quelque chose de naturel. Parce que c'est un peu ridicule, quoi, d'avoir des dents bleues, genre stop. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai fait. Eh, il est retordu aujourd'hui. Désolé, c'est juste qu'en fait, vous savez, j'ai fait une rhinoplastie. Quelle fille fake? Oui, bon, ça va. Ça fait plusieurs mois maintenant. Je considère que c'est mon vrai nez. Jusqu'à ce que mon enfant naisse et que je dise oh my gosh, c'était mon ancien nez, ça. C'est trop mignon. Bref, on n'y est pas. Mais j'imagine que le jour où j'aurai un futur enfant, il aura mes dents naturelles, ma tête naturelle. Je dirais oh putain, quel throwback. Un enfant vintage, c'est incroyable. On s'en bat les couilles. On repart sur les dents. Ça marche. On fait comme ça. Donc voilà, j'ai décidé de faire du composite parce que mes dents n'étaient pas alignées. Donc j'ai choisi le composite. Il faut savoir que mon dentiste est genre un expert dans le composite. Il n'y a pas grand monde qui sait utiliser le compo comme il le fait. Il a littéralement simulé une vraie dent. Je ne fais aucune différence.
entre ce que j'ai sur les dents et ma vraie dent, tout simplement. J'avais envie d'un sourire naturel, le sourire que j'aurais dû avoir si mon alignement d'appareil dentaire s'était bien passé. Parce que je déteste vraiment quand ça fait fake, dit-elle. Oh là là là, quel hypocrite oh. Oui, ça va. Oh. Parlons des dents. J'avais pas envie d'avoir des dents qui ont l'air d'un dentier. J'avais vraiment envie juste d'un subtil changement au niveau de mon sourire parce que ça me complexait un peu. Je souriais comme ça sur le côté et du coup j'avais une dent qui était tellement remontée que de profil on aurait dit qu'il me manquait une dent. Du coup j'ai décidé de rajouter du composite pour la millième fois. C'est pas une nouvelle technique le compo, mais généralement les dentistes quand ils te mettent du composite quand t'as une dent cassée c'est plus une solution, mais généralement l'esthétisme dans le composite c'est pas ce qui prime quoi, même si ça fait faire de très belles choses. Là typiquement il y a strictement rien de définitif, tu peux l'enlever, tu peux le remettre, tu peux décider de garder ta vraie dent, de changer un petit peu la forme, tu fais tout ce que tu veux. Ça nécessite simplement un entretien. Ça se colore, mais pas tant que ça. Genre, je peux boire du café, il y a un vernis de protection sur les dents de sorte à ce qu'on évite la coloration de la dent. Mais tu prends soin de ton composite de la même manière que tu prends soin de tes dents. Mais ouais, je me brosse bien les dents. iOS, sponsorisez-moi. Yes. Oral-B en susu. C'est pas des solutions qui correspondent à tout le monde. Mon dentiste y refuse des gens parce qu'ils ont besoin d'abord d'un traitement orthodontique. On peut pas faire de la magie avec tout et n'importe quoi. Mais ce que j'essaye de vous communiquer comme message, c'est que il existe des solutions alternatives si vous avez des petits complexes à la con. Parce que là, clairement, c'est un caprice. C'était vraiment pas nécessaire à 2000% d'avoir ça. Et je pense aussi qu'il faut du caractère et de la personnalité dans un sourire. Donc ça ne sert vraiment à rien que de vouloir du parfait. J'ai demandé à mon dentiste de l'imparfait. Je voulais que ça ressemble à une vraie dent. J'ai pas envie que ça ressemble à un morceau de carrelage et que j'ai l'air d'avoir un dentier à la place des dents. C'est pour ça que quand il regarde, ça reste hyper naturel. Je vais vous mettre du coup le before after pour que vous puissiez voir. Ça joue à 2-3 détails. Mes dents sont quand même déjà blanches parce que avant de poser mon compo, il a fallu que je fasse des blanchiments. Donc mon dentiste a pris mes empreintes dentaires et tous les soirs, je mettais pendant 2h, 3h, du coup mes petites gouttières avec mon blanchiment en haut et en bas des dents pour pouvoir préparer au composite en fait et que mes dents soient suffisamment blanches pour qu'on puisse mettre du compo. Donc une ultime fois, la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, c'est pour vous déjà mettre en garde sur les pratiques qui sont vraiment peu recommandable en ce qui concerne les dents, étant donné qu'on a vu pas mal de TikTok où les gens se les faisaient limer pour des détails, enfin vraiment des trucs à la con. Donc si t'y as songé, enlève-toi ça de la tête et rappelle-toi qu'il existe des alternatives qui ne nécessitent rien d'invasif et d'irrémédiable. Parce que si tu limes tes dents, sache que tu ne les retrouveras jamais. Genre c'est terminé pour toi, t'as plus de dents. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui relève de la mutilation. Vous savez quoi? Enlevez-moi ce bout de bras parce que j'ai envie d'un nouveau bras plus stylé. Donc on peut l'enlever. Moi ça me dérange pas d'être vraiment d'avoir un moignon en guise de bras. Je suis tout à fait à l'aise avec l'idée dans la mesure où le nouveau sera mieux. Bah non ma belle, enfin je sais pas, non en fait. On peut avoir tendance dans la société dans laquelle on est à courir après la beauté et les idéaux des réseaux sociaux. Et la plupart du temps c'est irréfléchi et on finit par le regretter. Maintenant, petit disclaimer, il n'y a rien d'obligatoire. La beauté se situe aussi dans l'imperfection. Donc la recherche du parfait, du droit, du il faut que ce soit comme ci comme ça, c'est absolument pas nécessaire. C'est pas parce que c'est mon témoignage et mon expérience et ma vision des choses que c'est la bonne chose à faire. Cependant, si tu as un complexe, tu peux tout à fait y remédier. Et je tenais vraiment à en parler avec vous parce que je n'étais même pas au courant qu'il était possible de corriger un sourire via le composite. Pas tous les dentistes ne peuvent le faire. Tous les dentistes savent faire du composite, mais pas tous les dentistes ne font comme mon dentiste. Et c'est comme de l'art. Vraiment, c'est comme un nail artist, mais pour les dents. Un dent artiste. We can say that. Un tooth artist. Oh my gosh. Je vais lui recommander de s'appeler un tooth artist. C'est stylé. Je suis tooth artist. Yeah. I'm a tooth artist. Bon, après, j'ai envie de vous dire, rien ne change à ma vie. Hein. C'est pas parce que j'ai des dents alignées que ma vie a changé. C'est pas parce que t'as un sourire de star que tu peux faire la star. Garde la tête sur les épaules, ma belle. Reste toi-même, quoi. Je suis globalement restée moi-même. Ça fait 24 heures que je les ai. Rien n'a changé. Si ce n'est que je me suis entraînée à avoir un panel d'émotions un peu différent qui inclut un sourire, y compris lors de la colère. Voilà. Habituellement, quand je suis en colère, je suis en colère. Mais maintenant, je vais davantage montrer mes dents même quand je suis en colère. Ça veut dire que si quelqu'un me dit un truc du genre t'es sérieuse à agir comme ça, je ferais pas genre bah quoi, je ferais genre qu'est-ce que t'es ignorante. C'est trop drôle. Tu vois, pour montrer mes dents. Ou alors si je donne un compliment à quelqu'un, au lieu de dire par exemple j'aime trop ta veste, elle est trop belle, je dirais genre elle est trop belle ta veste, genre vraiment c'est je suis choquée, elle est pas trop belle sa veste, j'adore. Et la meuf me dirait mais y a rien de drôle en fait, c'est, et moi je dirais arrête, elle est con. Est-ce que j'aurais l'air folle? Ouais, peut-être. Mais est-ce que ça me donnera l'occasion de montrer mes dents davantage? Ouais.
Ouais. Après, je complexais pas sur mes dents plus que ça. Hein. C'est ce qu'on appelle un caprice. Je suis honnête avec vous. Parce que moi, j'aime bien vous transmettre mes déviances et vous dire ce que je fais de déviant. Et ensuite, vous dire, mais ne le faites pas. Et je trouve pas que ce soit spécialement déviant. Est-ce que c'est un peu vain et superficiel? Oui, totalement oui. On est sur du superficiel. Ceci étant dit, il est important de sourire. Il est important d'être heureux. C'est très bien d'avoir des dents. C'est génial. Quel privilège. Il y a beaucoup de gens qui sont complexés avec leurs dents. Et j'ai envie de vous rassurer et de vous informer sur le fait qu'il existe des solutions. Je dois vous montrer des photos, j'imagine. Je peux vous sourire? Oui? Non? D'accord. Tu vois, y a rien de fou quoi. Il a même fait de travers comme ça ici là. Arrêtez! Arrêtez! Oh là là, arrêtez! Arrête! Tu vois? Tu te demandes ce que tu fous sur cette vidéo? Je ne sais pas. Au moins, t'es au courant du fait que j'ai refait toutes mes dents quoi. Non, même pas toutes mes dents, c'est bon, j'en ai refait 4, 5, 6. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, c'est possible ça? Ah non, j'en ai refait 8. 8, les 8 dents du haut. Et me voilà remplie de joie, pleine de vanité, et je suis très heureuse. Voilà, j'ai un sourire aligné, qui a une couleur normale, qui n'est pas bizarre. Parce que je voulais vraiment que ça garde quand même la forme de mes vraies dents, et que ça reste rond. Parce que j'avais des dents relativement rondes. Et un sourire, quand il est très carré, c'est ce qui a tendance à faire fake. Donc je voulais garder la shape de ma dent pour pas qu'on soit dans quelque chose aux antipodes de ma personnalité, quoi. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé que c'est nul, ou si vous avez trouvé que c'est super. Dans tous les cas, je m'en fous. Parce que je suis trop contente. Non, je rigole. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si ça vous a aidé un petit peu, si vous pensez que vous y songerez ou pas du tout, si vous pensez qu'on en a rien à foutre qu'un beau sourire, c'est un sourire après tout, et que mieux vaut quelqu'un avec un sourire de travers que quelqu'un qui fait la gueule. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Sur ce, mes petits babes, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ce n'est que du love. Mouah. Bye bye. Qu'elle est superficielle. Oui, ça va.